share of heartbreaks. Made way too many mistakes, but Los Angeles is my home. My hometown makes me homesick. Won't go as a book around trip. LA, everybody wears pasties, acting real crazy, cheersing to no baby. Singing like they're trying to make the sun move, and I love it. I'm finally done running. Françoise Mélineau de Santos, consentez-vous à prendre pour répondre Bruno Olivier Pierre Candas, ici présent? Oui. Bruno Olivier Pierre Candas, consentez-vous à prendre pour épouse Françoise Mélineau de Santos, ici présent? Oui. Donc, au nom de la loi, je déclare Madame Mélineau de Santos Françoise et Monsieur Candas Bruno Olivier Pierre unis par le mariage. LA, everybody has a sunroof, singing like they're trying to make the sun move, and I love it. I'm finally done running. She came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Thank you.
my t-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of bed when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. That's how you know you've been in love. Sauge blanche amérindienne, un rite de protection et de purification. La sauge blanche amérindienne, ou sauge blanche de Californie, est une plante médicinale sacrée pour de nombreux peuples amérindiens d'Amérique du Nord. Elle est principalement utilisée dans les cérémonies religieuses, cérémonies de la forêt, les naissances et les mariages et les décès. La sauge blanche est très connue pour ses bienfaits et son utilisation dans les rites de purification, mais aussi ses propriétés médicinales. C'est une sauge donc qui vient d'Amérique, du Dakota. Bonjour et bienvenue, Françoise et Bruno. Yorana Maeva. Nous sommes ici réunis pour faire un rituel polynésien. Je vais vous transmettre un petit peu de moi lorsque je me suis mariée en Polynésie. Merci beaucoup, Mayu Rururoa, à tous d'assister au rituel de mariage polynésien de ces jeunes mariés. On peut le dire. J'ai donc le plaisir de vous transmettre la cérémonie des mains. Pour ne pas oublier que vous êtes et ce pourquoi vous avez décidé de vous unir pour la vie. C'est donc le rituel d'unité. Bruno, pour ce rituel, je me permets de te donner le nom de Manua Tané. Je t'explique. Ce qui veut dire oiseau messager du bonheur, Marie. Quant à toi, Françoise, je me permets de te donner le nom de Taïa, princesse chérie et choyée, et femme. Je vais donc procéder à ce rituel qui est plein de poésie et de symboles. Je vais poser le micro. Lorsque je suis partie en Polynésie, j'ai ramené du sable dans toutes les îles, de tous les monts. Donc il y a ici, de l'île de Tahiti, de Moorea, de Rangiroa, de Wainé. Et ma préférée, Rangiroa. Et ta. J'espère que ça vous donnera envie d'y aller.
je vous le souhaite, de partir dans ces îles poétiques, sensuelles. En Polynésie, l'eau de coco, elle est sacrée par les dieux. Et avec cette eau, maintenant je vais vous demander de vous tenir les mains. N'oubliez pas votre unicité à chacun, même si vous la réunissez, vous êtes unique. Par la feuille de bananier dans les îles, et bien de plus belles feuilles encore. Moi ici j'ai trouvé comme ça. Je scelle donc le rituel des mains. De Tiare du côté du cœur à l'oreille. Madame, la fleur ouverte, monsieur, la fleur fermée. Alors elles sont toujours toutes les deux ouvertes aujourd'hui. Donc tu peux porter ça à ton oreille, côté cœur. Et monsieur aussi, s'il me le permet. C'est compliqué. C'est qu'à l'oreille. C'est qu'à l'oreille. Hein. Juste le temps des photos. Ça va là comme ça? Ça va tenir? Voilà. C'est juste pour la photo. Il est coincé là. En Polynésie, les hommes sont couverts de fleurs, comme les femmes. Pour finir, je vais vous lire un texte que je trouve très à propos, de Simone de Beauvoir. Allez, le ciseau. Alors, il a été écrit par Simone de Beauvoir. Ils se sont donné la main, ils se sont donné le cœur, les yeux dans les yeux, perdus dans un nuage, perdus dans un rêve, le rêve du bonheur. Une alliance brille à leurs doigts, l'anneau d'or qui scelle le serment, un oui pour la vie. On a prononcé des mots, des vœux et toutes les félicitations. On s'est embrassé, on a souri, mais elle n'a vu que lui, et il n'a vu qu'elle. Sa femme, son mari, ils connaîtront ensemble mille joies, mille soucis et parfois quelques tempêtes. Mais au fond du cœur, ils ont une boussole infaillible, la boussole de l'amour. Vive les mariés. Donc moi je vais faire une toute petite bénédiction qui va être vraiment rapide. J'ai amené quelques branches d'olivier et un petit peu d'eau bénite. Peu importe les croyances de chacun, personne, je pense qu'on croit tous un petit peu, peu importe en qui ou en quoi. On fait tous des petites prières, peut-être en commençant un tour de Kaiser, faites que je ne tombe pas, ça ne marche pas toujours. Faites que je me blesse pas. Voilà, quelques mois avant mon mariage, mais bon, voilà, comme quoi les prières ne marchent pas toujours. Mais... Donc j'ai pris un petit texte hein, qui n'est pas de moi. Mais... Je t'aime, dit le petit prince. Moi aussi je te veux, dit la rose. Ce n'est pas pareil, répondit le petit prince. Vouloir, c'est prendre possession de quelque chose, de quelqu'un. C'est chercher les autres, ce qui peut remplir nos besoins personnels d'affection, de compagnie. Vouloir, c'est chercher à faire nôtre ce qui ne nous appartient pas. C'est s'approprier ou désirer quelque chose pour nous combler. Aimer, c'est désirer le meilleur pour l'autre, même s'il a des aspirations différentes des nôtres. Aimer, c'est permettre à l'autre d'être heureux, même si son chemin est différent du mien. Mais il est aussi certain que ce don de soi, complètement désintéressé, ne se fait que quand on se connaît. Nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons, parce qu'aimer veut dire se jeter dans le vide, faire confiance à la vie et à l'âme.
Je vous le remets. Elle est transpercée. Je ne suis pas habilitée à vous assurer avec. Vous pouvez le faire vous-même si vous voulez. Et après, vous pouvez. Ah. Merci. Tiens, ça, je veux bien que tu le refais correctement. Et donc, je vous remets. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Merci. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, merci à tous. Hein. Oui. Merci, Mathilde, Betty, Marina, mes partenaires, Flora, merci. Longtemps.
bonsoir à tous. Donc maintenant, maman, tu vas rejoindre Bruno. On va vous montrer une histoire d'amour qui dure depuis 13 ans maintenant. Donc, tant que tout le monde est là, maman, on t'attend. Maman et Bruno, on vous remercie d'avoir partagé toute votre histoire à travers vos photos, vos vidéos. Aujourd'hui, ce soir, on vous a fait une petite vidéo pour vous remercier et vous dire de nous partager encore tous vos rêves. Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir, parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments, et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment, parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long, et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche soir. Tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chante sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et qu'à chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Je n'ai plus peur du dimanche soir.
Vas-y, refais-le-moi comme il faut. Et un mec Babylon me disait mes clandestinos pour nous dire la parfaite. Par la suite de l'Orde, je me fui à trabajar. Vivir à la défense, en triste la bataille. Soy mara y de mar, fantasma en la ciudad. Mi vida más prohibida, que dice la autoridad. Angelinos clandestinos, bolivianos clandestinos, africanos clandestinos, marihuana ilegal. Bonsoir, chers amis. Bonsoir. La famille de Bruno et de Françoise, bonsoir les collègues, bonsoir tous les amis, quoi. Alors, Françoise et Bruno, on va vous demander de lire un petit texte. Mais c'est très simple, parce que pour toi, Bruno, il y a écrit « lui », donc tu lis ce qu'il y a sous « lui ». Et toi, il y a écrit « elle ». Tu lis ce qu'il y a dessous. Et ensemble, vous lisez ensemble ce qu'il y a là. D'accord ? Vas-y, Louis. On commence. Est-ce que tout le monde est... écoute ? L'écoute, hein ? C'est très important, hein. Emporte-moi ou toi ma muse. Je te suivrai pour tout le temps. Dévoile-moi toutes tes ruses qui font de toi ce pur diamant. Je ne suis pas du genre Alon et le ronron très peu pour moi. En rêvant, j'accrochais ce drone vers toi, beau sire, il me mena. Ensemble. Alors, on a chaussé nos femmes, pris des avions, mis des rébans et sommes entrés dans cette balme pour un voyage étincelant. Même dans la même avec ma muse, du Pérou à la Jordanie, on surfe, on pédale, on s'amuse et que ça dure toute la vie. Alors attention, maintenant, vous rendez les textes parce que nous en avons besoin. Et sommes entrés dans cette
dans le petit jeu. François, tu l'as acheté pour l'occasion. Va toucher. Toucher quoi? Une partie de votre corps. Oh! Moi, je veux bien venir. Alors, c'est une partie qui est assez développée chez les sportifs. Ah! À qui appartient cet enfant? Il a des pattes. Donc je disais que c'est une partie assez développée chez les sportifs, surtout chez les cyclistes. Le mollet. Et donc vous pensez tous au mollet. Bravo Corinne, ça m'étonne de toi. Mais il y a un petit doute. Donc pour ça, vous allez devoir vous mettre debout sur les chaises et relever votre pantalon. Et toi, tu vas te mettre aux yeux, évidemment, parce que tu ne vas pas deviner où ils sont. Viens avec moi. Ah oui, c'est connu. Mais intéressant. Tu triches pas. Non, c'est pas moi. Justement, ferme. Oui. Ah, mais après, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai dit que t'es mollet. Alors, vous les gars, vous avez bébé, on change. Alors, parce qu'elle ne va pas se mettre par terre. Non. Alors, on va se mettre debout sur la chaise, messieurs. Sur la chaise. Allez. On ne va pas accidenter le travail. Très bien. Et on va relever le pantalon si on peut. Ouh, il y en a aussi, c'est bien. Si c'est trop serré, il faut l'enlever. Ah, c'est cool. Alors François, suis ma voix, n'entends que ma voix, viens par là. Alors, non, pas trop, faut la guider quand même. Alors, on est bien. Alors, c'est Christian, ça. C'est Christian.
Ah, ça c'est peut-être Michel. Je cours souvent derrière lui. Oui, et c'est ça. Il faudrait que je cours parce qu'on court entre nous les deux. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il faudrait que tu cours un peu plus longtemps alors. Et le dernier? Alors, j'ai trouvé là. Michel ou pas? Non. T'as trouvé le grand marin pour le sein? Oh, mais... Ah, ça c'est Christian, ça. Ah, ça c'est Christian. C'est Christian? C'est Christian, oui, c'est Christian. Ouais. Bravo. Alors, bravo. Tu vas retater pour là où tu t'es trompé ou pas? Ouais. Ah, il faut retater. Allez, romancez. Christian, c'est bon. Christian, c'est bon. Ton mari, c'est bon. Et Michel? Alors, et Michel, c'est comment? Il te manque Flo, il te manque Nicolas. Et Michel. Allez, on trouve la crevette. Et là, reste Nicolas et Michel. Je peux toucher une demi-tour. C'est la vraie, c'est la vraie. On a changé, on s'est mariés. On a changé. Là, alors là, t'as les deux. Il faut dire que mon collègue, je l'ai en face tous les jours, mais je n'ai touché aucune partie. Là, des photos. Attends, j'avais mal au dos et j'ai peur qu'on fasse ma queue. Donc, j'ai Michel et Nicolas. Oui. Ah, ils sont énormes quand même. Alors, allez. Hey, Nicolas, tu te mets pas souvent en short, hein? Si je dirais Nicolas et Michel. Ouais. Ouais. Bravo, François. Et merci les collègues qui nous ont prêté là ce petit jeu. Bande originale des dessins animés qui passaient dans les années 80. Rappelez-vous de vos Goldorak, vos Capitaine Flamme et compagnie. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je répète, il faut être spontané pour crier le nom de l'artiste avant notre équipe, vous marquerez un point. À la fin de la manche qui durera entre 10 et 15 minutes, l'équipe qui a marqué le plus de points devra inviter l'autre équipe au restaurant. Sur une table à l'épicurier, par exemple. Voilà, un samedi soir, normalement, il y en a à peu près pour 85 euros par tête. Bonne chance à tous, que le meilleur gagne. Ça, il va y en avoir pour tous. Je commence avec un chanteur des années 60, français. Il va falloir que vous me retrouviez. Non, c'est pire, écoutez bien. Ça fait... Tiens, bonjour, salut, il n'a commencé pas depuis le temps, et on ne s'est pas vu, tu sais, c'est vrai, je ne t'attendais plus. Avec moi, sortez. Oui, c'est moi, Jérôme, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrasse et te fait pleurer. Cette fois-ci, le point va donc à l'équipe Françoise. Il fallait répondre aux félicitations. C'est Jérôme. Un point pour la team Françoise. Je continue. Je continue avec un blind test international. Aux années 60 également. Je cherche cet artiste-là. Ah,
c'est pas ça du tout, du coup. À tous ceux qui m'ont dit Indochine, qui était la bonne réponse, sachant que ça m'arrive de temps en temps, c'est une égalité absolue. En cas d'égalité absolue sur les deux équipes, ce sera l'équipe qui en reste en vous autres. Hein. On va passer le passe pour tout le monde. Chante le mieux possible avec moi cette chanson, tout en me trouvant une des chorégraphies qui fasse le plus marrer les copains d'à côté. À la fin, vous aurez votre point. Je vous regarde, je vous écoute, soyez créatifs, tout le monde. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore toi. Elle m'a dit, j'ai pas l'habitude de m'occuper des gars comme ça. Et toi et moi, on ne se tient pas. Et quand tu dis je t'aime toi, je sais juste pas où tu es. Et la vie s'agit de moi. La 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 la. Chers amis, nous avons un gagnant incontestable. J'avais demandé d'être créatif, ça s'appelle être créatif. Le point va donc à Bruno. Et ça fait 3 points partout. Ça fait 3 points partout et il me reste 3 derniers blind tests. Donc tout est encore jouable. Et voici un artiste français toujours. Écoutez bien, je cherche cet artiste-là. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Et pour un flirt, yes, avec toi. Je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi. Allez, chantez. La 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 la. Michel Delpech, et c'est la team de Bruno qui a répondu les premiers. Félicitations, vous arrivez à doubler la team de Françoise avec 4 points à 3. Et il me reste 2 derniers blind tests. Et oui, si je fais les restos du corps, vous vous doutez bien que le blind test, ça ne va plus rien puisque vous connaissez ce que je voulais. Écoutez bien, je cherche ça. Entre les deux équipes, et comme le par hasard, il me reste un dernier blind test. Courage à tous, le dernier blind test, on se départage sur cette chanson. Yeah.
Après, ceci dit,
quand on était à Rascol, on a fait BEP mécanique auto. Bon, moi j'étais pas très bon, mais lui était bon en mécanique quand même. C'était très fort, très, très, très bien. Et à mon tour, comme il était très fort, il était le champion de la roue arrière, rue, pour les Albigeois, rue de la République. Et sur l'hélice, quoi, devant le pontier, champion du monde des roues arrière. Il avait ça s'appelait un KE à l'époque, en 125. On avait à peine 16 ans et c'était un dingue, quoi. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Et voilà, après, à moto, donc, je disais, il avait des surnoms, c'était Wardy, donc je vous expliquais pourquoi. Et il y avait Max aussi, on l'appelait Max, d'où les diminutifs, Manix. Bon, Manix, c'est pas pour ce que vous pensez, c'était un peu le diminutif, quoi. Mad Max, tout ça. Et tout simplement, bon, sinon, non, tu rigoles, quoi. Je le connaissais, non. Les filles, à l'époque, ça ne l'intéressait pas. Non, sincèrement, il n'y avait que la moto et le sport qui l'intéressait. Bon, après, par la suite. Il a changé, il s'est rattrapé. Et donc, Mad Max, pourquoi? Parce qu'il attendait, monsieur, que nous, on démarre, la plupart de nous, là, dans le monde du motocross, pour se mettre derrière et nous foutre la pression. Ça, il était fort. Là, c'était le champion. C'est pour ça qu'on l'appelait Mad Max. Je sais pas, c'est par rapport au film, mais je sais pas, pour les jeunes, les plus jeunes, s'ils ont connu Mad Max, c'était un peu, voilà, quoi. La furie des années 80. Voilà, bon, et que raconter de plus sur Max. Bon, après, c'était super champion. Après, par la suite, il a été champion de la glisse. Que ce soit à snowboard, quoi que ce soit. Par contre, il n'était pas bon pour la planche à repasser, non? Planche à repasser, pas trop, non hein ouais, et lui, non, il le sait. Bon, c'est dommage. Par contre, sur une planche, il est bon, hein, mais quand il descend, c'est ça. Hein, sur une station de ski, voilà, c'est ça. Voilà. Sur l'eau. Bon, après, ouais, tout à fait, tu as raison de le préciser, et surtout sur l'eau. Bon, il en a payé les frais au mois de juillet, là. Hein. Bref, mais c'est pas grave, c'est des risques du métier. Voilà, sinon, c'était toujours une super pote, voilà. Et alors, la vie a été longue pour nous, parce qu'on approche de la soixantaine. Moi, j'ai 59, et lui, va les avoir le mois prochain, ou le mois de novembre, je crois, de mémoire. Et moi, je les ai le 31 octobre. On a traversé le temps, tous les deux. Voilà. Il y a des périodes où on ne s'est pas vu pendant longtemps, mais on est resté toujours accro, parce que, enfin, des amis d'enfance, ça reste toujours dans le cœur. Comme un peu nous tous, et quand on se revoit, on a toujours des choses à se dire, quoi. On ne s'oublie jamais. Ça, c'est sûr. Voilà. Écoutez, j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. Tout le bonheur possible aux jeunes mariés. Donc, on a fait un petit jeu, histoire de découvrir un peu plus la vie de nos mariés. Donc, c'est très simple, là, vous connaissez le principe, on va poser les questions. C'est soit moi, soit lui ou elle. Donc on va dire vous montrer vers les invités, voilà. Vers là-bas. Ok. Qui n'a pas compris les règles du jeu? Réponds à la question, maman. Qui n'a pas compris les règles du jeu? Montrez votre ardoise. Personne n'a compris. Alors, qui a fait le premier pas lors de la première rencontre? Qui a dit je t'aime en premier? Qui a présenté sa famille en premier? Bruno, on triche pas. Maman, mets devant l'ardoise. Il triche. Ouais. Ok. Allez, j'envoie la prochaine. Qui cuisine le mieux? Ça fait pas longtemps que je cuisine. C'est ça.
Qui dort le plus? Arrête de tricher, Bruno. Prochaine question. Qui laisse toujours le rouleau de papier toilette fini? C'est pas bien. Qui fait le plus le ménage? Maman, on triche pas. Je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui, mais c'est pas. Qui traîne le dimanche en jogging? Ok. Alors c'est pour aller faire du sport. Non, personne. Qui fait le plus de coups aux toilettes? Bruno, tu dis qui? Ah non, il a dit moi. Ah, elle. Qui a le plus de toc? Qui a le plus de vêtements? De celui qui n'a pas hésité. Qui a souvent la migraine le soir au moment de faire un câlin? On m'en passe si vous. Allez. Non, il faut dire quelqu'un. Mais ils n'ont jamais la migraine. Ouais, voilà. Il faut croire qu'ils n'ont jamais la migraine. Qui est le plus sportif? On va dire le mari. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah non, il a du mot. Qui a le plus mauvais caractère? Ouais, on connaît, toi. Je n'en aurais pas douté. Qui est le plus drôle? Ah oui, bah vous êtes d'accord. Qui porte la culotte? Ah! Attention, maman. Maman, on triche pas, maman. Bah, vous êtes pas d'accord. Hein. Qui a le contrôle de la télécommande? Ok, pas d'équivoque. Qui est le plus tête en l'air? Qui mange toujours le dernier chocolat dans la boîte? Hésite pas, Bruno, c'est toi. Qui est le plus organisé? Ouais. Qui est le plus calme? On triche pas. Qui sent le plus des pieds? Allez, Bruno, dis-nous tes petits secrets. Que tu sens des pieds, Bruno. Qui effraie le plus l'autre lorsqu'il conduit? Alors, qui déroge le plus au keto?
plus d'entorse. Quel coup de poil. Qui connaît les surnoms de jeunesse de l'autre? Il faut les citer du coup. Oui, ben, j'avoue qu'on les a eu ceux de Bruno tout à l'heure, c'est facile. Max, le premier là était au. Manix. Lorraine. Bardi. Bruno, tu connais les surnoms de maman? Valérie, est-ce que maman avait des surnoms dans sa jeunesse? Non. Ben voilà. Donc maman remporte. Qui pique le plus dans l'assiette de l'autre? On sait que vous supportez pas. Vraiment, vous supportez pas ça. Qui descend le plus vite au ski? Qui réclame le plus de massage? Qui fait le plus de photos en voyage? Ouais. Le plus de photos en voyage? Non, non. Ah oui, oui, photos ou vidéos, oui. Non, vous n'êtes pas d'accord. Tous les deux addicts. Qui fait les meilleures vidéos? Qui utilise le plus l'assistance du vélo lors de vos sorties? Qui fut le moins zen pour assurer les préparatifs du mariage? Qui a le plus bu ce soir? C'est pas trop dur, non? Allez, maman, dénonce-toi. Il a pas bu? Non. C'est pas plus fort. Qui a le plus menti durant ce jeu? Le plus menti. Bravo. Merci. Bonne musicien. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime. Les messages pour les jours à venir. Oui, on écrit sur les murs de ce qu'on aime. Pour les jours à venir. S'il vous plaît, roi. Yes. S'il vous plaît. À vous. Ibibi. 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 Allez, on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bravo, Mila.
n'a jamais appris. Check ça.
que je vous tiens là, que vous chantez vachement bien. Si je vous dis la Gofa Lolita, ça vous parle hein? Allez, on repartit alors. Près de prière. Voici le tube de l'année 2022. Normalement, vous avez entendu à peu près 36 fois toutes les 1 heure à la radio. Moi, je vais l'écouter, vous montrez l'autre. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille. Dans les villes jacquines, quand elle est arrivée, elle est entrée. Sans plus dur dans les autres, elle a traversé toute l'année. Allez, tout le monde avec nous. Tout
liberté. Il est né sur l'ordre de Mississippi, dans ce verset pour le tour de la vie. Qui c'est qui regarde le temps solaire ici? Ouais, c'est la bonne réponse ici. Qui me semble que ça a répondu là. Et ça fait donc 2-1 pour la fille de Françoise toujours. J'ai bientôt fini, écoute bien. Il m'en reste 3. Hein. Qui a dit Paris White? Ben, c'est pas ça. Écoute bien. Ça fait. C'est un international. Battery de Ils ont un demi-point parce qu'ils sont... Non, non, ça fait pas partie de la règle. C'était bien essayé quand même. Mais vous m'avez dit Abba, ils m'ont dit Bohème, et ça va me répondre. Bohème, point pour Bruno, égalisation de partout. C'était pour rire. Okay. Allez, écoutez bien, il m'en reste 3. Cette fois-ci, je me suis trompé. Ça fait... Les sirènes du phare. Ok, avant-dernier blind test, je t'en fais exprès. C'est lui qui m'a soufflé. Écoutez bien, c'est français, c'est facile. Oui. Et on a un point partout. Voici ce que je vous propose. Je fais un dernier blind test. Celui qui le trouve met son équipe à la gagne sur toutes les manches. On est d'accord? Plus fort. À tout le monde de vous. Je peux mieux. Hein. Vous me faites peur. Attention. Écoutez bien, c'est dans le
que je pense que si on commence à faire des chansons comme ça, à 2h au tricot, on est comme tout ici dans le sud. C'est la réalité, c'est pour vous, écoutez bien. Comment puis-je oublier? Ouvrir encore mon cœur. Ceux qui veulent chanter, allez-y les gars. Comment pourrais-je faire pour me séparer? Oublier ton frère, mais pour le vrai Chanel. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans l'air, que tu es parti loin. Ça n'était pas ma faute, on se dépasse là. On se prend le chemin, on se prend le chemin. On se dit tout le temps. Regarde-moi. Et des vaches en photo. C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Pour trouver un devant. Mais les papas chansons. Nous le prenons les brisards. On peut partir en avant. Le fruit de ma réflexion. Et le jeu de personne. Si vous pas de raison. Jamais dans ma région. Ce qui est une religion. On a d'une confession. C'est un peu le meilleur de la vie. Que je suis dans ma société. Thank you.
Hop, 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 hop. Allez, hop, c'est bon.